Est-ce que la Bible enseigne sous abus contre la nature Pour nous répondre à la question, ça, nous besoin de balancer et puis mélanger deux vérités. Premièrement, Bon Dieu attend que nous utilisions la nature. Bon Dieu commande l'homme, il a l'homme responsabilité pour que l'homme domine et assujettisse toute la nature, toute la création. Selon Genèse 1, versets 20 à 31. Bon Dieu, dans ce sens, l'homme une l'attitude complète pour le capable exercer la domination. Ça. Et bon Dieu même permettre que l'homme soit capable de manger plantes avec animaux. Selon Genèse 1 verset 29 à 30. Genèse 1, Genèse 9, verset 1 à 3 et Jésus lorsque le exerce exercé ministère terrestre-li, montré que il y a un contrôle parfait de tous les éléments naturels et nous témoignons exemple lorsque Jésus-Christ l'était calmé tempête là selon Matthieu 8 verset 24 à 27 et lorsque il était cause que pied figuier était séché selon Matthieu 21 verset 18 à 27 et donc nous gagner approbation divine pour que nous puissions utiliser la nature pour capable satisfaire nos nous et atteindre nos nous en tant que bon gérant bon dieu attend que nous maximiser production la nature capable bailler à partir de une gestion éclairée des ressources de dieu selon matthieu 25 verset 14 à 30 donc, ça, c'est la première vérité qui est importante dans la question de la relation que nous gagnons avec la nature. Bon Dieu attend à ce que nous utilisions la nature. Deuxième vérité, c'est que bon Dieu l'oppose à tout abus que nous sommes capables de faire à la nature. Parce que ce n'est pas le fait que nous gagnons domination sous la nature. ke nou se propriyete la natu. E sa, sou bagay ke yon pil fwa nou fe konfuzyon sou li. Dok nou konfon utilizasyon ke nap fe de yon bagay avek dwa de propriyete ke nou gen sou li. A prinsip, realite a se ke nou pa posede la natu. Parce que c'est bon Dieu qui possédait la nature, c'est bon Dieu qui possédait la création. Et même si un texte l'a dit à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et il y a un autre texte encore qui exprime les réalité, Somme 24, verset 1 tant Tacou, Lévitique 25, verset 23, et Somme 50, verset 10 à 11. Bon Dieu bat nous la nature pour nous gérer en tant qu'intendant et non en tant que propriétaire. Paske pa gen moun ki propriyete sou la te. Kelke swa moun ki egziste, kelke swa moun ki gen de resous nanmel ke lap utilize, ke se resous sa, se la natu ou otre, li se yon intendant, li se yon jelant, men li pa propriyete, paske pa gen propriyete sou la te. E ekritu, e la bib, ensegnye nou ke bon die li fe de nou des gérants de la création et en tant que des gérants, nous avons besoin de gérer à la manière de propriétaires-là. Nous avons besoin gérer selon des principes de management qui concernent la gestion de la terre, la gestion du territoire. Et donc, c'est extrêmement important pour que nous connaissions responsabilité vis-à-vis -vis de la nature. Dans la question régulation agriculture au niveau de l'Ancien Testament, par exemple, Wapwè ke bon die, li mèm li te bae de lwa pou te kapab fè an sot ke te a li rete ou repo ou setyèm anè. Pou ki sa rete ou repo ke te ap rete ou setyèm anè ya, sa ap fasilite renouvellman minre ou ki nan sou sol la. Paske bon die li regule ou li gen de lwa ke li etabli nan san sa... qui est capable de faciliter le renouvellement des éléments naturels et que nous avons suivre. selon Exode 23, verset 10 à 11, Luc 25, verset 1 à 22. Et lorsque vous prenez deux paraboles clés pour ça qui concerne le Nouveau Testament, premièrement, sous parabole vigneron selon Matthieu 21, verset 33 à 44, Marc 12, verset 1 à 12, Luc 20, verset 9 à 19. Et si on ajoute avec sa parabole talent dans Matthieu 25, verset 14 à 30, on prend compte que, bon Dieu, présente nous comme des managers, comme des intendants de ressources Et en tant que tel, nous prenons pour nous rendre compte de toute gestion que nous faisons des ressources que bon Dieu confie nous. C'est-à-dire que non seulement nous devons gérer à la manière de Dieu, nous avons besoin de gérer selon les principes de Dieu, selon les principes de bonne gouvernance, mais nous avons besoin pour nous rendre compte de la gestion nous, de toutes les ressources que bon Dieu mettait à disposition. Nous. Au final, la nature est bon. et parce que bon Dieu crée comme ça, et bon Dieu prend plaisir à la donne, selon Genèse 1 verset 1 à 31. Bon Dieu. Les dessiner le monde naturel dans une structure qui ordonnait. Et toute violation que nous fait de la nature, toute violation que nous fait de structure, ça, ou bien de l'ordre établi, ça, sont péchés que liés. Selon Romain 1 verset 26-27. La nature, même j'avais nous, l'a soupiré les douleurs de l'enfantement, parce qu'elle a souffri malédiction, ça, qui était tombé sous mon déchure, selon Genèse 3, verset 17-19. Mais cependant, les Écritures disent nous, de manière répétée, que bon Dieu continuait de manière providentielle la soutenue création, selon Psaume 104, verset 1 verset 1 à 35, Psaume 147, verset 7 à 9, Psaume 148, verset 1 à 10. Et l'Écriture, dit suggérait-nous que la nature tout participer dans la rédemption, selon Romain 8, verset 20 à 22, avec promesse que bon Dieu libérera le nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1 En résumé, ce que nous retenons là, c'est que bon Dieu paie les sous sur la terre. Bon Dieu dit c'est le seul propriétaire, c'est le propriétaire par excellence. Tout le monde qui est sur la terre, c'est des managers. Alors, c'est pas seulement chrétien, c'est toute la race humaine. Bon Dieu bat nos mandats en tant que gestionnaire de la création. En tant que tel, nous avons besoin gérer la création selon des principes de bonne gouvernance, selon des principes de gestion que nous venons aussi dans la Bible. Et dans ce sens-là, lorsque nous gérons la planète, là, lorsque nous gérons la nature, lorsque nous gérons l'environnement physique, nous le sommes capables de bénéfique pour nous-mêmes. Parce que bon nous dépend de la situation qui n'a a évolué il dépend de l'environnement qui nous a Et c'est ça qui fait que nous avons une responsabilité pour nous prendre soin environnement l'environnement. environnement physique, là, nous avons besoin de prendre soin. Le, ça, plus nous prenons soin de la nature, plus la nature prend soin de nous. Parce que bon Dieu dit établir nous sous la terre, nous avons une relation de gérant qui liait nous avec le monde physique. Et nous avons une responsabilité, sa, et nous avons pour nous rendre compte de façon que nous gérons toutes les ressources que bon Dieu confie nous, et particulièrement notre gestion de l'environnement physique.